Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc au potager qui dit non. Enfin, pas tout à fait, on est un petit peu décalé. On est dans le potager de deux de nos copains là ici qui ont donc une bordure d'iris le long de leur parcelle. Et ces iris nécessitent un entretien régulier, disons tous les 3-4 ans. Ceux-ci ont 3 ans de plantation, donc il est temps d'intervenir. Alors, on est ici le 1er août, je crois, et c'est tout à fait le bon moment pour réaliser ce genre d'intervention. Je peux voir que les tiges ont été coupées, ici les tiges florales, ce qui est vraiment très bien. Il faut éviter, après floraison, que ces iris ne montent en graines et épuisent un petit peu les rhizomes. Mais il y a encore une opération à réaliser de temps en temps, et c'est maintenant, en été, que ça se passe. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit, on va le faire ensemble. Je tiens quand même aussi à vous préciser que ça ne concerne que les iris des jardins ou iris d'Allemagne, c'est-à-dire iris germanica. Les iris hollandica ou reticulata, par exemple, qui poussent sur des bulbes et non pas sur des rhizomes, ne sont pas concernés par cette opération. Hein, voilà. Allez, on se met en route, on va commencer par arracher ces iris, hein, ni plus ni moins. Et puis on continue ensemble pour voir les opérations qui vont suivre. Bien, alors voilà, donc ces iris étaient plantés en bordure du chemin, lui-même en gazonné, ça nous donne des... Vous voyez un peu un envahissement un peu des massifs d'iris par l'herbe environnante, ce qui est tout à fait normal et ce qui n'est pas forcément apprécié non plus par les iris. Donc rien qu'à ce titre-là, ça permet aussi un petit peu de débarrasser ces iris de cette herbe. Mais c'est pas l'objet, disons, principal de cette opération. L'idée c'est quand même de nettoyer un petit peu les rhizomes. Alors, pour rappel, voilà, le rhizome c'est ça, hein, d'accord, c'est cette partie qu'on voit un peu émerger, hein, d'ailleurs à peu près à moitié du sol. Ça c'est le rhizome. Alors sur le plan biologique, c'est une tige, c'est pas une racine, d'accord. Les racines elles sont ici en dessous, voilà. Hein, voilà, ça c'est une tige transformée, dont la principale fonction est d'assurer la propagation de la plante, mais c'est également un organe de réserve. Et c'est précisément ces rhizomes qui nous intéressent aujourd'hui, qui motivent un petit peu cette opération, puisque l'idée, ça va être de, ben voilà, ici par exemple, je débarrasse les rhizomes que je rencontre, voilà, de petits morceaux qui seront pas forcément très beaux, très jolis, qui seront un peu plus petits, un peu plus faibles. On va également enlever les feuilles un peu mortes, comme ça. Et puis, on va garder bien des racines en dessous. Voilà, on va les nettoyer un peu. On sélectionne sur l'ensemble du massif les plus beaux rhizomes, comme cela. On va... Tu veux me filer les ciseaux une seconde, s'il te plaît. Voilà, on va retailler de cette manière. Habiller un peu les racines également. Hop. Ah, voilà, merci. Habiller également de cette manière le système racinaire. Et puis on va les remettre en terre, de nouveau, à fleurs, comme ça, mais surtout en les resserrant. Et donc le but avoué, clairement, de cette opération, c'est de retrouver une floraison bien dense, de retrouver des massifs bien compacts, bien florifères. Si on ne fait pas ça, avec le temps, ces rhizomes ici, surtout au centre, vont occuper beaucoup d'espace. Les tiges en particulier florifères seront beaucoup plus espacées les unes des autres. Et on va avoir une occupation sur le sol très importante pour très peu de fleurs. Donc le rapport sera plus bon. Donc de cette manière-là, on va reconcentrer un petit peu les iris par tâche ici, dans le cas qui nous préoccupe ici. Et surtout, on va assurer à nos amis, là pour le coup, une floraison beaucoup plus importante à partir du printemps prochain, puisque les iris germanica fleurissent au printemps.
Voilà. Donc c'est un petit peu une exception. La division de touffe, par exemple, chez les vivaces, se réalise en automne ou en hiver. C'est une exception. Chez l'iris germanica, en tout cas, c'est une opération à laquelle il faut procéder, je dirais, entre mi-juillet et fin août. Idéalement, c'est bien. Quoi. Voilà. Donc là, on est début août. C'est tout à fait idéal, surtout qu'il vient enfin de pleuvoir avec la canicule qui nous préoccupe et la sécheresse qui nous préoccupe depuis des semaines et des semaines. On vient enfin d'accueillir un peu d'eau. La terre est tout à fait idéale pour procéder. Quoi. Voilà. Alors donc voilà les morceaux un peu de rhizome. Je vais vous montrer un exemple. Hein. Ici, c'est tout mou. Hein. Ça, c'est du rhizome qui est plus très bon, enfin, voire plus bon du tout ici, en l'occurrence. Et ce sont des morceaux qu'il convient de nettoyer. Alors, le plus gros est terminé ici, mais je vous en ai gardé quelques exemples. Voilà un petit peu, hein. Ben voilà, on retrouve la hampe florale de l'année dernière, ici, du printemps dernier, de cette année donc, début d'année, printemps, voilà, au milieu. Et je vais me séparer, alors... On fait attention de bien couper aux endroits, c'est facile à voir, hein, il y a des intersections naturelles, on va dire, des rétrécissements comme ça dans les là où le rhizome s'est prolongé. Et voilà, ça c'est un morceau de rhizome que je ne vais pas garder, donc je vais me séparer. Voilà, je vais garder ce jeune morceau ici en nettoyant un peu, voilà, d'accord. Les racines que j'ai bien pris soin de débarrasser des racines de chien d'an qui pouvaient subsister, puisqu'il y en avait beaucoup ici au niveau du sol. J'habille un petit peu les racines. Et voilà. On redémarre sur quelque chose de neuf qui sera de nouveau très florifère dès le printemps prochain. Une précaution, enfin, ça va de soi quand même, mais je le précise tout de même, l'arrachage se fait à la fourche bêche et non pas à la bêche pour éviter de venir sectionner des rhizomes qui pourraient être intéressants, eh bien, des endroits non souhaités, quoi. Hein. Voilà. Un autre exemple, hein, peut-être, voilà. J'ai encore un peu de racines de mauvaises herbes dedans, d'ailleurs, d'adventice. Voilà, ici, voilà. Ça, faut vraiment faire très attention de ne pas replanter ça avec. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et ça, ici, ça ne m'intéresse pas non plus. Je coupe et je vais replanter cette partie-là. Voilà. Ici, un bel exemple. Hein, le rhizome a été abîmé, ou rongé peut-être, hein, par un petit animal amateur de... Voilà, de ce type de d'alimentation comme les campagnols par exemple. On va pas le garder. Voilà. On coupe, nettoie un peu. Petit habillage des racines, attention aux racines de mauvaises herbes toujours. Et voilà. Hop, ça c'est prêt à être remis en terre. Donc voilà un exemple peut-être d'un peu plus près, un peu plus lisible. Ça ici, cette partie de rhizome ici, je ne vais pas la conserver. D'accord. Ça, je garde. Ça, je nettoie un peu. Voilà. Voilà. Ça, je vais donc casser cette partie-là. Ça, donc, je m'en sépare. Ça, je conserve. On veillera à venir ici enterrer en laissant la partie supérieure émerger par rapport au sol. Un petit coup de ciseau, et voilà. Mon rhizome est prêt à être remis en terre, avec juste peut-être un petit habillage au niveau des racines. Voilà. Alors nous allons donc procéder à la replantation de ces iris, en veillant encore une fois à ce que cette partie supérieure du rhizome reste émergée par rapport au sol. Hein. Voilà, donc voilà, on va les remettre en place un peu. Voilà. Juste comme ça. Voilà, c'est suffisant. Cette partie ici reste bien à fleur du sol. Pas d'inquiétude pour ceux qui penchent comme ça, hein, ils vont se redresser. Hein. Voilà, on va y bien enterrer les racines, puisque elles, par contre, elles doivent se retrouver bien en terre.
et on va essayer de reconstituer des massifs relativement denses. Voilà. Qui vont nous proposer une floraison très localisée. Et l'effet de masse est souvent recherché quand même avec ce type de plante. Hein. Voilà. Voilà, on va continuer comme ça sur toute la longueur, on va tous les remettre en terre. Bon voilà, donc le massif est terminé, clairement repiqué après éclaircissage. L'idée est bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, est de laisser les rhizomes bien apparaître, hein, affleurer au niveau du sol. Un bon arrosage, ça s'impose, et puis une surveillance de cet arrosage, disons un arrosoir là sur cette surface, un arrosoir toutes les 3 semaines devrait suffire. Et c'est l'assurance ici donc de, après avoir régénéré ce massif d'iris, c'est l'assurance d'obtenir une très belle floraison, beaucoup plus dense l'année prochaine. Vous planterez vos iris dans un sol bien drainé. Hein, l'excès d'humidité ne convient pas aux iris germanica. Un sol plutôt fertile, sans excès toutefois. Et neutre au niveau du pH ou à tendance basique, mais en tout cas pas de sol acide pour ce type d'iris. Sachez également, alors je n'en ai jamais vu jusqu'à présent, mais il existe a priori des variétés d'iris remontants, c'est-à-dire qui ne seront pas grimpants, hein, c'est pas ce qu'on entend par remontant, mais qui seront capables de proposer une seconde floraison, généralement un peu moindre que la première floraison du printemps, qui seront capables donc de proposer une seconde floraison à l'automne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.